qu'avec un grand plaisir, nous allons être ensemble sur rendez-vous de Coupe des Pays-Bas. Ensemble, pour le moment, on constate les huitièmes de finale. Si on voit les points, il n'y a pas le droit à l'erreur. À l'affiche de ce match, une opposition entre Vitesse et le PSV. Ça y est, c'est parti. Moema. Et il lui redonne. De Jong. On s'approche du but. De Jong. Oh, le beau tir! Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. De Jong. Oui, bien pris. On est bien dosé cette passe de la tête. Ça change de loin, c'est dedans. Ah, regardez un peu la puissance de ce ballon. Même au ralenti, ça va très très vite. Énorme puissance de frappe, en effet, avec en plus de la précision pour venir battre le gardien. Bah, je suis sûr que ça vous parle, hein, ces frappes de loin comme ça, Franck. C'est le genre d'action que vous aimez bien. Et c'est donc l'ouverture du score, 1-0. Attention, ne pas commettre de faute. Et ce ballon qui traîne. De Jong. Moema. Un bon ballon dans le couloir. Guardado. Traoré. Pour un centre. Et ça file encore bien. Un ralenti qui nous permet de revoir ce but. Ballon bien dégagé de la tête par le défenseur. Oui, dans la surface. Traoré. Et ça fait but. Le but de l'égalisation.
très belle inspiration sur cette action, hein, Franck. Et ça donne à l'arrivée cette magnifique tête plongeante. Bah, il a mis tout son cœur pour frapper ce ballon de la tête. Et les voilà donc à égalité, un but partout. Guardado. Oh, il est passé. Guardado. Oh, c'est mal défendu ça. Oh, la bonne occasion. Ouais, il fallait intervenir, c'est bien. Guardado, ça s'approche. Ça carrière la diable. Ce sera 6 mètres pour le gardien. On voit ce but sous un angle différent. Il a choisi d'adresser sa tête à droite du but et ça a marché. Bruma. De Jong. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Ça c'est bien sur l'aile. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. Ça carrière la diable. De Jong. Allez, un partout, c'est le score à la pause. Il reste 45 minutes pour faire la différence. Une première période où rien n'est fait pour le moment. Et les deux équipes sont au coude à coude. Et le suspense reste entier pour la seconde période. Et c'est donc parti pour la seconde période. Oh, le tacle glissé. Et bien en contact. Hors jeu. Oh, dommage, il était tout seul. Carrière la biade. Il va pouvoir centrer. Allez, des solutions sur la gauche. Ouais, bien taclé, mais c'est pas fini. De Jong. Le drapeau s'est levé, c'est un hors-jeu. Traoré.
l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Bon ballon d'attaque. Ah, attention, la frappe! Ah, le gardien qui peut finalement empêcher ce ballon de rentrer. Ouais, c'est son deuxième but. C'est son deuxième but. Il va peut-être en marquer un troisième, pourquoi pas? On revoit ce but sous un autre angle. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Et le ballon qui est sorti en touche. Guardado. Oh, il avait senti le tacle venir. Un bon ballon dans le couloir. À la retombée peut-être. Il tente une reprise de volée. Oh là, pas de problème pour le gardien. Non, pas de problème, effectivement. Il a frappé le ballon du bas vers le haut. Dans ces conditions, c'est difficile de cadrer. Il faudra revoir ce tacle, mais ça continue à jouer. Oh, il ne le reverra plus. Oh, la jolie frappe. Oh, ça rentre avec la complicité du poteau. Oh, le buteur, il peut remercier le poteau. Ça m'a bien heurté le montant, mais ça n'enlève en rien la qualité de sa frappe. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait maintenant 3 buts 1 au tableau d'affichage. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Ouais, intervention du gardien qui repousse. Ballon donné de la tête. Allez, les ramasseurs de balles vont pouvoir rendre le ballon au gardien. Oh, le beau tir. Et ça fait but. Ah, tout lui réussit dans ce match. Absolument tout. Il vient encore de marquer. Oh, il fait preuve d'une efficacité offensive redoutable. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ça fait un but de plus pour corser l'addition. Ben là, je crois qu'il n'y a vraiment plus du tout de suspense. Zakaria Labiade. Et faute, l'arbitre a sifflé. Les supporters qui chantent, qui ont le sourire. C'est la manière à eux de remercier leur équipe pour ce résultat. Guardado. Ah, elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Ouais, faute, l'arbitre a sifflé, peut-être un carton au bout. Ouais, carton jaune pour cette vilaine faute.
Voilà, c'est fini. Tout le monde va rentrer au vestiaire. Et les joueurs qui sont évidemment satisfaits de ce résultat en huitième de finale. On ne peut que féliciter ce groupe. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils ont été au rendez-vous.